Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et bien entendu autour de vous. Allahumma salli wa sallam barik ala sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour et une nouvelle vidéo avec un retour de course. Et je dirais un retour de course spécial après Ramadan. Voilà, où il n'y a plus de feuilles de brique, il n'y a plus... Ce qu'on achète spécialement pour cette belle période, je ne sais pas vous, mais vraiment ça manque déjà. Ouais. On se dit déjà vivement, vivement, Inch'Allah, à l'année prochaine. on est à presque une semaine après le Ramadan. Oui, un jour près pour moi, on est à une semaine. Et je suis allée faire le plein de courses. On est jeudi, depuis lundi, mardi, je dois y aller. Je dis non, je vais vider d'abord mes placards, vider mon frigo. Et quand il n'y a vraiment presque plus rien, je voulais le plus rien. Presque plus rien quand tu vois qu'il y a 2-3 yaourts qui se courent après que... en fait, c'est les tiens que les enfants les veulent vraiment pas. D'habitude, par exemple, il y a un petit peu de yaourt nature. D'habitude, mes enfants, tu leur mets du sucre un petit peu. Franchement, ça va, ça fait l'affaire. Là, non, je veux pas. Je crois qu'ils ont leur dose. Bon, il faut bien manger, hein, malgré la hausse des prix. Encore et encore. De toute façon, je vous annonce rien de nouveau. Par contre, je suis vraiment, vraiment bien surprise. Par Lidl, je trouve que les prix ont baissé de quelques centimes, c'est déjà bien. En plus des promos, voilà. Regardez bien les catalogues et tout, les prospectus des magasins aux environs de chez vous pour pas faire non plus plein de kilomètres et tout, parce qu'au final, c'est juste que c'est perdant, vous allez être perdant par rapport à ça. Et j'ai comparé, par exemple, ces deux produits. Vous savez, le fromage en plus qu'on aime trop à la maison, Madame Loïc, d'habitude, c'est celui-ci que j'achète. Mais c'est vrai que maintenant, comme Lidl et Leclerc le font, voilà, il faut que je regarde 150 grammes, non mais c'est bon, il y a quand même 15-17 centimes de différence entre celui de Leclerc et celui de Lidl ici. Et qu'il n'y avait pas en fait, c'était celui de Lidl qui était plus cher que celui de Leclerc. Tant mieux. Après, ça dépend. Lidl, je sais que normalement, tous les prix sont pareils de partout en France, dans tous les Lidl de France. Et Leclerc, ça peut varier. Parce que la dernière fois, on m'avait dit, j'avais comparé sur la mascarpone les prix d'à l'époque et on m'avait dit que non. Et en fait, c'est juste que ça dépend de votre magasin Leclerc. Voilà, parce que les Leclerc, oui, peuvent changer. Que les Lidl... À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez quand il y avait la publicité et qui disait à la fin que les prix sont partout à Paris, dans toute la France. Voilà, je me souviens parce que j'étais partie dans le sud de la France, vraiment aux portes de l'Espagne. J'avais dit, tiens, c'est bon, même si c'est hyper touristique, les prix sont pareils. Allez, on va chez Lidl. Et alors là, c'est parti pour le retour de course. Et bien entendu, on va commencer par le surgelé et par le frais. Je commence tout d'abord par ouvrir chaque sachet un par un et je mets bien sûr tout le contenant où je divise par deux, ça dépend. Si j'achète des gros sachets par exemple de frites ou autres. Voilà, je mets dans des sacs transparents pour voir la quantité et dans des sacs de congélation zippés. J'aurais dû prendre, vous savez, avec le petit curseur. Je trouve que c'est mieux, surtout pour le surgelé. Comme ça, vous êtes sûr que ben il n'y a rien qui tombe. Comme par exemple ici, les petits pois. Je viens bien insister pour que l'air s'échappe, que ça soit un petit peu comme du sous-vide. Vous allez me dire, oui, mais là, c'est du gaspillage, etc. Franchement, vraiment, vraiment, je préfère cette façon. Voilà, là, c'est la deuxième fois que je le fais. Que je mets mes produits surgelés dans des sacs de congélation. J'ai des boîtes aussi, je le ferai plus tard. On compte acheter un nouveau frigo, Inch'Allah, pas tout de suite, petit à petit. Il n'y a rien qui se fait en urgence, c'est vraiment pas une urgence.
Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que notre frigo est de plus en plus petit, malgré qu'on trouve quoi de l'extérieur, il est imposant. Mais à l'intérieur, vraiment, on trouve qu'il est quand même assez petit pour une famille de 5 qui grandit, Allahumma barik, de plus en plus. Voilà, j'ai organisé de cette façon. En plus, le bac, ce n'est pas son bac d'origine, c'est d'un ancien frigo aussi qui était tombé en panne il y a maintenant un moment. Et puis, on l'avait retrouvé avec le déménagement quand il avait fallu vider le premier garage. J'ai retrouvé ce bac, je l'ai bien lavé, bien nettoyé, bien désinfecté. On a pu le récupérer, voilà, pour dépanner. Puis on verra ça vraiment bien après, Inch'Allah, de trouver surtout le bon produit qu'il nous faut pour notre famille. Voilà, ne pas se précipiter, surtout pas prendre le temps. Et bien sûr, à des prix raisonnables vu les prix actuels. Non mais c'est du délire. Alors je coupe les pots de yaourt comme ceci, quoi, je les casse pour faciliter pour les enfants. Si toutefois je suis occupée, je suis sous la douche, les enfants ont faim, veulent un petit goûter, je peux aussi être amenée à cuisiner un petit peu en fin de matinée pour déjà le goûter pour le soir et que j'ai oublié de leur poser leur dessert, c'est possible aussi avec la précipitation. Voilà, et puis comme ça, pour eux, c'est plus facile. Ils ont juste à prendre leur pot de yaourt, que prendre tout le paquet, verser tout ça, quoi, sans faire exprès de faire tomber tout ça, pour faciliter pour les enfants, tout simplement. Alors, concernant les produits que j'ai pris en double, en triple, ça concerne des promotions actuelles à Leclerc. Voilà, comme vous pouvez voir en ce moment, là, avec le jus d'orange, d'ailleurs, qui est juste excellent. On a l'impression vraiment que c'est du frais, du fait maison. Il est vraiment juste à tomber par terre. Et concernant les grandes marques, c'est pareil. Si, c'est pas que je ne consomme pas les grandes marques. Non, mais c'est juste pour vous dire, voilà, en ce moment, ce qu'il y a ce que vous trouvez là sur mon plan de travail, que ça soit en lot, en format familial ou bien en marque, c'est qu'ils sont en promo actuellement à Leclerc. Allez, entre deux rangements, je vais vous parler de certains produits. J'ai acheté des carottes râpées, bah déjà prêtes comme ça à Lidl. Elles sont à moins d'un euro. Ça facilite, vraiment, ça facilite. Je ne sais pas vous, mais moi, après Ramadan, je veux que du rapide, du facile, du fait vite. C'est ce que je veux. Je ne veux pas rester des heures et des heures dans la cuisine. Et franchement, aussi, au vu du prix actuel des fruits et des légumes, et dont les carottes. Les carottes sont presque à 2 euros le kilo. Non, mais je rêve, vraiment, je rêve. Je sais pas, moi, toute l'année, j'achète des carottes. Et depuis tout le temps, même depuis petite, j'ai le souvenir que mes parents achètent des carottes bah, pour faire le couscous. Mais je sais pas, j'ai pas le souvenir que c'était aussi cher. C'était pas 70 centimes, 80 centimes. C'est remonté jusqu'à 1,20 euros, 1,30 euros. Mais là, on est presque à 2 euros. Mais vraiment, il y a pas longtemps que j'en avais acheté en plus. Mais waouh, bref. Où va-t-on? Où va-t-on? De l'emmental râpé, j'ai pris 500 grammes. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on voit au prix du kilo, c'était le plus avantageux, le moins cher pour moi. Faites attention aux promos, hein, parce qu'il y a promo et promo. C'est comme le lait. Ils vous disent promo, c'est 1 euro, 1,20 € le litre. Et vous vendent ça, je ne sais pas combien le pack. Et quand vous allez, et ça, c'est à l'entrée en plus du magasin, quand vous faites tout le magasin et le lait souvent.
le lait et l'eau, c'est vraiment au fond, et que vous regardez, vous trouvez à 80, 90 centimes le litre de lait parfois. Sur la même marque, hein. Je vous parle de la même marque, c'est la grande marque. Voilà, faites bien attention. Hein. Regardez bien, parce que franchement, je trouve qu'en ce moment, ils nous arnaquent, certains magasins nous arnaquent, mais à fond. En ce moment, il y a des produits italiens et même espagnols cette semaine chez Lidl. Moi, j'ai trouvé ces pâtes, basilic, pignon de pain. J'ai hâte de tester, comme j'ai pris à mes enfants les pâtes fromage. Voilà, et là, c'est des restes de ramdan, pâte philo. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Il y en a beaucoup qui l'utilisent aussi comme brevet pour faire des briques, en fait, tout simplement, au lieu d'utiliser la feuille de brique. La pâte de filo, de la coriandre à ciseler comme ça, à mettre au congélateur, il faut que je me dépêche d'ailleurs. Voilà, j'aime bien aussi la betterave, elle est pré-cuite, il y a juste à la couper et la mettre en salade. Oh, ma préférée, c'est pommes de terre, betterave avec des oignons, de préférence des oignons rouges coupés en petits morceaux, mettre un petit peu d'huile ou de l'huile d'olive. De la coriandre et du persil fraîchement, mais fraîchement haché, du sel, du poivre, du cumin, vous mélangez ça, vous mangez ça bien frais, c'est bon. Pour moi c'est un repas, franchement c'est vraiment juste excellent. Pour finir, j'aimerais vous parler de la crème, mais en plus c'est écrit crème légère là, d'accord, j'avais pas fait attention. Vous savez les bombes de chantilly, en fait il y avait celle-ci bon, et d'autres marques. Mais je regardais vraiment la marque de Leclerc, la Eco Plus et la marque Repair. Et ce qui m'a fait décider, parce qu'il y a quand même 1 euro environ, hein, 80 centimes, 1 euro de différence. Et là, quand j'ai regardé derrière, oui, effectivement, là, il y a 5,1% de sucre. Et l'autre, il y en a 8 et quelques. Je me suis, ben voilà, je savais laquelle je devais prendre. Je me suis dit, bah, tu vois, en plus, elle est moins chère. Ça me va très bien, ma fille m'a demandé pour des fraises. Et puis moi aussi, je vous dis en ce moment, hein, je ne sais pas vous, mais franchement, fainéantise, flemmarde comme jamais. De toute façon, c'est tout le temps comme ça après Ramadan. Moi, j'ai besoin de reposer, de me reposer, de reposer mon esprit, mon corps. Aïna, mil cousina. Allez, orange. Mes boîtes de rangement, organisation, frigo, placard viennent essentiellement de chez Action parce que honnêtement, c'est les moins chères qu'on peut trouver sur le marché. Et celles-ci, je vous les ai montrées il y a quelques temps maintenant. Elles viennent de chez Stokomani. Je les ai achetées fin d'automne, début d'hiver. Voilà, ils avaient fait une belle promo, un paquet où il y en a 5 de différentes tailles, de la plus grande à la plus petite, pour 10-11 euros. Voilà, déjà que j'avais raté la promo de l'année dernière, de l'été 2021, parce que ben, j'étais en vacances au Maroc, où ils étaient beaucoup plus chers, à 7,90 euros, voilà, dans les 8 euros. Et je ne sais pas, est-ce que c'était les mêmes exactement, je ne sais pas. Bref, ceux-là, je les ai pris pour 11 euros, le pack de 5. Je peux vous dire vraiment, c'est de la bonne qualité. Ça va, ils sont assez robustes. Le couvercle est en bambou. Je les ai lavés à plusieurs reprises, franchement, sans aucun problème. Ils sont de très très bonne qualité.
Alors ici, j'ai acheté deux paquets de flocons d'avoine différents l'un de l'autre. Celui-ci vient de chez Lidl, vous l'avez aussi en bio. Celui-ci, je le connais déjà depuis un petit moment, quoi, je l'utilisais avant. Et là, je l'ai acheté essentiellement pour faire du porridge, voilà, avec un petit peu d'eau, avec du lait, ou faites un mélange eau et lait, ou bien qu'avec de l'eau, ou vous pouvez mettre que du lait, comme vous le souhaitez. Et celui-ci que vous allez voir là juste maintenant, je l'ai acheté à Leclerc. Voilà, vous en trouvez de partout, de toute manière, dans toute grande surface. C'est plus pour manger comme ça, faire un petit mélange, ou en mettre aussi sur du yaourt nature, sur du fromage blanc, voilà, que ça soit bien protéiné, riche en fibres aussi, avec ce mélange de flocons d'avoine. Il y a des céréales à l'intérieur. C'est ça qui est bien. C'était celui-ci que j'avais utilisé pour faire mon slow maison pour la période du Ramadan. Et regardez, ici, les flocons sont beaucoup plus grosses. Même en mâche, je préfère. Voilà. Et comparé à celui de Lidl, où c'est tout petit, tout écrasé, voilà, ça fera très bien l'affaire pour du porridge maison. Il y en a beaucoup, je t'en donne un petit peu. Qu'est-ce qu'on dit? De rien. Et on dit bismillah. Tata. Tu as dit bonjour tata Khadija. Voilà, comme ça j'ai tout pour le petit matin. Voilà, et puis ici j'ai des amandes. Bonjour, j'ai, des... j'ai plein de choses. Bonjour Amon. On va ranger la salade. Allez, un bon coup de nettoyage une fois que j'ai presque rangé mes courses. Parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et ici, je voulais vraiment avoir un petit coin. Je l'avais déjà fait. Voilà. Mais comme on avait acheté un paquet de format familial niveau café, mon mari m'avait empiété sur mon petit espace Unicity, sur le concrete, les produits que je prends. Pour ma santé, pour mon bien-être et aussi pour ma perte de poids. Je vais changer juste après. Je ne sais plus, est-ce que c'était le même jour? Est-ce que c'était le lendemain? Non, c'était le même jour. Et oui, c'était quelques heures après. J'ai fait le grand ménage dans ma cuisine, le grand ménage après Ramadan. Il a fallu réorganiser malgré que c'est tout récent, tout neuf et qu'on vient de déménager. Mais c'est vrai que voilà, c'est la période où on se laisse aller, mais voilà, le fin Ramadan avec aussi les gâteaux, les Eid, les préparatifs, tout ça, on laisse des choses de côté. Et puis une fois que c'est terminé, voilà, ça passe tellement vite. Il faut remettre de l'ordre et surtout de reprendre les bonnes habitudes. Là, je suis en train de poser tous les articles, je dirais hygiène et entretien. Et je voulais vous parler aussi de cette huile d'olive. On l'a prise à Lidl. Vous avez les produits actuels espagnols. Et vraiment, je l'ai goûtée. Elle est topissime. Je n'aime pas, on n'aime pas l'huile très forte, amère, un arrière-goût amer, là, comme ça. Celle-ci, elle est juste top. Vraiment très, très bonne. Et l'huile pour les pizzas qu'on prend chez Leclerc. Elle est aussi pareille, très très bonne et qui nous dure
en moyenne 6 mois, même jusqu'à 9 mois, voilà, parce que bah, y a que pour les parents qu'on l'utilise. Et bien sûr, vous avez une promo sur les œufs actuellement à Leclerc. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous.